Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle unboxing de la Neon Box de je ne sais plus quand, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que la Neon Box que vous voyez là, c'est je crois celle de mai, mais je suis pas sûr, je sais plus ce qu'il y avait. Parce que, hein, je vous rappelle, les péripéties, les problèmes de livraison, tout ça, on en a parlé dans la vidéo d'avant. Et ce qui fait que j'ai reçu cette Neon Box alors que je suis plus inscrit, et j'étais là en mode, mais... Bah, comment c'est possible? Et en fait, l'explication, c'est que, tout simplement, la dernière Neon Box, je l'avais jamais eue et je m'en étais jamais rendu compte. Donc déjà, d'une part, je suis con, mais ça, ok. Mais d'une autre part, c'est que j'avais totalement zappé, et Neon Box avait totalement zappé de me dire « Hey, il te reste une box, mon con, t'as oublié d'en ouvrir une. » Et du coup, c'est fait, c'est là, c'est maintenant, c'est l'ouverture de la box, tout de suite, maintenant, c'est parti, voilà. Bien évidemment, toujours se munir de la baguette magique du Yakuza. Et on va ouvrir cette box qui date de je ne sais plus quand. Et je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Ça va être la surprise totale. Voilà. A noter que le transport a changé parce qu'à chaque fois, je recevais une grosse lettre avec la box. Là, j'ai rien. Là, j'avais juste une étiquette. Colissimo. Normal. Aucun souci. Aucun souci, sauf qu'il y a un retard de 4 mois, mais à part ça, aucun souci. Hop, c'est parti, un coup là, un coup là, un coup là. Ah, c'est mai. Alors, c'est la Neon Box de... C'est marqué là, c'est la Neon Box de mai. On garde le fascicule pour après, si on veut bien. Hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Plein de choses. Une carte cadeau Yata Japan, et je vais juste vérifier si elle est pas périmée, parce que c'est les... Elle est bientôt périmée. Ça va. Ça, c'est incroyable. Mettez des dates plus longues. Ok, cette fois, on l'a reçu en retard, bon, c'est pas machin, ok, il y a eu des soucis. Mais mettez des dates un peu plus longues pour les codes. Enfin, la dernière fois, j'en avais deux. Les deux, la double Neon Box, bah, je les ai pas utilisés, les codes. Ils étaient périmés. Voilà, je suis dégoûté. On a cette fois... Attendez. Pour la première fois, je pense, si je dis pas de bêtises, pour la première fois de toutes les Neon Box que j'ai eues, bien évidemment, on a une recette. Recette des gyoza. Qui est ici. Je sais pas si vous allez arriver à la lire. Étape par étape. Alors, des gyoza, j'en ai déjà fait. C'est vachement bon. Donc, a priori... On aurait des trucs pour faire des gyoza. Et on va voir ça juste après. On a une recette qui est vraiment pas mal. Et peut-être que je la testerai. Dites-moi dans les commentaires si je la teste ou pas. Voilà. Ça aidera pour le référencement aussi. Je sais pas pourquoi j'ai gardé TAC 5. Le cadeau bonus de quand vous prenez 3 mois, vous avez un cadeau. Quand vous prenez 6 mois, vous avez un cadeau. C'est apparemment un porte-clés Naruto. C'est vachement lourd. C'est un porte-clés ou c'est un bijou? Non, c'est un porte-clés Gegara. Incroyable. Gegara, le sable, vous connaissez. Voilà. Porte-clés qui, ma foi, a l'air de bonne facture. On va se mettre ça sur le côté. Ça, c'est quoi? C'est rien. Voilà. Mais au final, c'est plus l'emballage qui pesait que l'objet en lui-même. On a... Et alors là, je vois quelque chose qui est incroyable. C'est... Pucci Mochi. Petit Mochi, c'est marqué en français. Attendez. C'est marqué en français. Incroyable. Incroyable, de City Hunter. City Hunter, c'est Nicky Larson en France. Voilà. Donc c'est une espèce de... De Tum Tum là, c'est Disney qui fait des Tum Tum, mais voilà. Ah ben on a... voilà. On a Nikki. Avec le... Il y a le flingue. Ah, il y a le flingue sur le côté. Excellent. Excellent. Ben voilà, je suis fan, j'adore. Je suis fan de la VF. Je crois que c'est l'un des seuls que je regarderai en VF. Parce que c'est tellement des barres de rire. Ensuite, on a... Ceci qui m'intéresse fortement. Petite figurine mystère de Demon Slayer. On peut avoir au choix. Hop, je vous mets là. Hop. Nezuko. Celle des poisons, je sais plus son nom.
On aura aussi Kyojuro, pilier de la flamme, ou Akaza. Ah, et ce Tanjiro. C'est Tanjiro, c'est le même que la boîte. C'est cool. C'est cool. Pourquoi c'est cassé? Non, c'est pas cassé. Si, c'est cassé. Attends. Non, c'est... Oh, c'est cassé. Non, c'est pas cassé. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est cassé ou c'est pas cassé. Le katana me paraît bizarre, mais on va monter ça. Il y a un bonbon qui s'est barré là-bas. Je vais pas le prendre parce qu'ils sont dégueulasses, les bonbons. Mais c'est cool. La petite figurine est cool. D'ailleurs, j'essaierai de vous montrer. Voilà, je commence à avoir une petite collection de trucs Demon Slayer. Franchement, ça, c'est un animé qui me plaît. Alors, on a... donc, pour faire les gyoza, apparemment... Oh, il y a tout. Ouais, le truc de fou. Il y a le moule, il y a la petite cuillère. Attendez. Je vous montre bien. Le moule, la petite cuillère et tout. Bah, ma foi, ça... Moi, je l'ai fait sans moule à chaque fois. Je le fais à la technique avec la main. C'est pas compliqué, hein. Mais, ouais, c'est cool. On testera la recette. Dites-moi si vous voulez qu'on teste la recette. Alors, un autre truc. My Hero Academia. Malheureusement, je ne regarde pas My Hero Academia. J'ai regardé au début, j'ai lu les premiers mangas, c'était sympa, mais après, j'ai pas trop suivi. On a une figurine Band Presto, plus de la marque, voilà. Et c'est Izuku. C'est... Qui a un truc sur le bras. Je peux pas vous en dire plus, je connais pas trop. Je vais pas l'ouvrir, parce qu'elle m'intéresse pas, donc voilà. Mais c'est cool. Donc là. Ensuite, on a des... De la bouffe inconnue. Alors là, pour le coup, je connais pas du tout. On découvre pas mal de choses hein, avec les box Nyan Box. En bouffe et tout ça, on a toujours quelque chose de traditionnel. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose à la châtaigne. Mais je ne connais pas plus que ça. Ça ne me dit rien du tout. Et bien sûr, je ne lis pas les kanji, parce que c'est trop compliqué. Et hop, on arrive au... Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un coussin ! Un petit coussin. Shingeki no Kyojin. Attaque des titans. Un petit coussin sympa que je pense que je mettrai sur mon fauteuil parce que ça m'a l'air d'être de la bonne facture. Et j'ai toujours eu envie de m'asseoir sur un. Sur un géant, je sais pas. SNK, c'est pas quelque chose que j'ai regardé plus que ça, c'est sympa. Mais voilà, en plus. Et on arrive à la fin de cette box. Oh, déjà. Oh, bah oui, je sens votre déception dans les commentaires. Je fais un gros clin d'œil quand même pour dire allez-y, les gars. C'est l'heure de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, voilà, tout simplement. Alors, la figurine de My Hero Academia, hop, qui est là. Ça, on l'avait eu. Les petites figurines de Demon Slayer, les petites... petits mochi mascottes de City Hunter. On avait le Gyoza Maker, bien évidemment. Petit accessoire que l'on adore et qui va vous aider à réaliser l'un de nos plats préférés, le Gyoza. On vous a préparé une petite recette, donc merci pour la petite recette. On avait le coussin à l'attaque des titans. On avait le Kurimanju, alors c'est les petits gâteaux là, qui sont effectivement à la châtaigne, et c'est vachement bon. Ils sont fourrés à la pâte de haricots blancs et châtaigne. C'est vachement bon, ça fond dans la bouche. Les manjus, on en avait déjà mangé, et Kurimanju, ça je... voilà. Ils ont été réalisés par un fabricant de Aichi, spécialisé dans le manjo depuis les années 80. Depuis les années 80. On avait la carte cadeau Yada Japan que je vais utiliser tout de suite parce que voilà, espérable. Et il y avait un truc, Menko. Alors je vous le montre. Ah, c'est des espèces de POG. Mais ça, je les ai pas eus. Je me fais de quoi là? Il manque des trucs. Ça, je les ai pas. Alors je sais pas. Pourquoi? J'ai eu le truc de Naruto, mais ça c'est un cadeau à part, c'est un truc en plus. Et ça, je les ai pas eu, Menko, là.
il se passe quoi là? Donc bah, je vais leur demander pourquoi je les ai pas eu. En plus ça avait l'air cool, c'est des petites illustrations traditionnelles on dira. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo à part à la découverte du Japon où je lis exactement ce qui a marqué derrière. Et en plus on parle des Menko que je n'ai pas eu. Je suis dégoûté. Cherchez pas, je suis dégoûté. Ça me... Non, je vais quand même leur envoyer un message, leur dire, les gars, c'est pas normal, j'ai pas eu mon truc, il manque un objet sur tous les trucs. Alors peut-être qu'il a glissé, peut-être je sais pas. Parce que, ouais, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter s'il y a quelque chose qui vous a plu. On n'oublie pas les gyoza, la recette, en live ou en vidéo. Ça dépendra de vous. Voilà, vous me dites, paf. Demandez, disait moi j'aime bien la petite recette, machin. Pas de souci, on y va, c'est parti, on est let's go. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je fasse moi-même les feuilles pour faire la pâte, quoi. Puis ça, c'est pas grave, ça se fait très très vite. Et si jamais chez vous, vous avez un magasin pas loin, bah, vous pouvez aller les acheter et faire la même recette. Et voilà, c'est un cercle voilà, vertueux, on se fait des trucs, on partage, on refait. Vous faites chez vous, je fais chez moi, chacun chez soi. Par contre, les gars, le Covid, tout ça, pas déconner. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine ligne temporelle, je sais pas. Voilà, à bientôt. Portez-vous bien d'ici là et à ciao tout le monde. J'ai démonté la boîte entière, je trouve pas. Ils sont où les trucs là? Rendez-moi mon argent! Ah là là! Mais pas de POG, j'ai pas de POG, voilà, je suis dégoûté, voilà.